Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, François. Salut, Alex. T'as vu que j'ai... Ben oui, écoute, c'est de circonstance. C'est ce week-end. C'est en fin de semaine. Moi, c'est un vieux chandail quand même. J'ai décidé de faire un clin d'œil à Frédéric Houde, notre bon ami, parce qu'il s'implique énormément là-dedans. Tu le sais. Ouais. C'est son bébé. Et à l'époque, c'était le demi Marathon des Érables, mais en fin de semaine, c'est LE Marathon des Érables. Oui. Alors, c'est plus un demi. Bien, écoute, il y a un demi également. Oui, il y a un demi également. C'est juste qu'on a ajouté la portion marathon. Oui, puis je veux que tu nous en parles parce que, écoute, tu peux te qualifier pour le Marathon de Boston. C'est dans les courses maintenant, les standards pour Boston, tu peux aller le chercher au Marathon à Saint-Grégoire, Marathon des Érables. Donc, je peux te dire que si des fois, ça laissait à désirer peut-être le mesurage des parcours, là, c'est une toute autre histoire, mon cher. Donc, bel événement à Saint-Grégoire ce samedi. Et là, je m'en vais dire, on invite les gens à aller manger à la cabane à sucre samedi, mais outre les coureurs, on les invitera pas à Saint-Grégoire parce que la ville va être... Non, ça va être le bordel, ça va être condamné. C'est sûr. Et en parlant d'érable et de cabane à sucre, il reste un week-end, François? Oui, c'est la dernière semaine, Alexandre, cette semaine. Dernier week-end, vraiment. Il y a quelques cabanes qui sont ouvertes à l'année, qui vont peut-être extensionner un petit peu, mais pour les cabanes ici, Saint-Grégoire, le coin, c'est le dernier week-end. Je suis allé, moi, le week-end dernier, à l'Érablière Charbonneau. Salutations à mon amie Mélanie, qui nous a très bien accueillis, moi et ma famille, comme à l'habitude. Es-tu allé au sucre cette année? Oui, je suis allé, moi, en ouverture. Oui, à Raymond Meunier. À Raymond Meunier, je vais toujours à chaque année. Ouais. C'était très, très bon. Les enfants aiment ça, je vais t'avouer honnêtement. Là, il y a des animaux, calèches et tout ça. Je suis allé me sucrer le bec un peu. Mais non, mais je pense que ça a été une année record pour eux. Une très bonne année pour... Je pense qu'ils vont pouvoir nous en vendre longtemps. La production de sirop, Alexandre, bien, c'est intéressant. Mm-hmm. Ça va être une très bonne année. Puis écoute, moi, je suis allé ce week-end, puis c'était rempli à pleine capacité. Toujours agréable d'aller à la cabane à sucre au printemps. Hein? Tout le temps le fun. Ouais. Tout le temps le fun. Hey, François, quand on parle de printemps, naturellement, c'est les gros tournois de golf, les gros noms qui sortent un peu de leur terrière. En fin de semaine, il n'y en avait pas énormément là, au tournoi à Houston, mais quand même, ça a été... Quelle fin de parcours! Oui. Pourquoi est-ce qu'ils étaient trois? Est-ce qu'il y a plus en fin de semaine? Oui, il a fait moins beau. Mais écoute, belle victoire de Charlie Hoffman. Un nom qu'on entend un petit peu moins. Il est tout le temps dans le top 20, top 25. C'est ça, il est toujours là. Mais belle victoire. J'ai pensé peut-être Ricky Barnes qui a mené après deux rondes, Alexandre, qui aurait pu remporter son premier tournoi de la PGA, malheureusement. J'espère que ce n'est que partie remise. C'est un bon golfeur. J'ai l'impression que oui. Puis écoute, si Hoffman ne calait pas son roulé à la fin... Oui. Je pense que ça aurait été une double ou une triple égalité en prolongation. On en voit régulièrement quand De plus en plus. Puis écoute, le gars a calé son roulé d'une dizaine de pieds, il était content. Il dit, c'est ma victoire la plus difficile sur le parcours. Puis c'était tout à moins 11, moins 10, moins 9. Puis même le gars qui jouait sur le dernier, en fait, le dernier threesome, parce qu'ils étaient trois, lui, il n'a pas eu une grosse ronde. J'oublie c'est lequel, il était à moins 4, là, mais il a pas connu une bonne fin de ronde. Mais... C'était électrisant. Puis bonne nouvelle, qui s'est inscrit ce matin au US Open? Oh yes! Écoute, là, il y a l'US Open, il y a des Open Championship, il y en a quelques-uns qui s'en viennent, ça va être intéressant. Tiger, son dos va bien. As-tu vu des images sur Internet? Écoute, son dos va bien. Je lui souhaite, Alex. Je lui souhaite. Les codes d'écoute aussi vont augmenter. Oui. François, on a fait quand même une aparté de golf, mais on va poursuivre là-dedans parce que... On parle de golf. Émission 100% golf, Alexandre, cette semaine. On a une entrevue. Oui, on a une entrevue qui va durer plus d'une quinzaine de minutes avec Pierre-Luc Paquette, qui est copropriétaire du club de golf de Saint-Césaire. Oui, beau terrain. Ici à Montérégie, excellent terrain. Propriétaire également d'un centre de pratique à Saint-Hubert. Tu te rappelles, Saint-Césaire, le clubhouse avait passé au feu il y a quelques années. Ils ont tout rénové. Nouveau forfait, golf et restaurant. Pierre-Luc va nous en parler. Ça va donner le goût d'y aller. Voilà. Donc, on s'arrête. 3 secondes, parce qu'il faut parler de NASCAR à la fin. Pas le choix, hein? Mais pour tout de suite, on écoute l'entrevue que François a réalisée avec Pierre-Luc. Nous sommes bien heureux aujourd'hui, la Sport Express, de parler de golf avec le copropriétaire du club de golf de Saint-Césaire, Pierre-Luc Paquette, qui est avec nous. Salut Pierre-Luc. Bonjour François. Bienvenue au studio. Bien, merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Écoute, on t'avait reçu l'année passée, en début de saison, justement, parler un petit peu du golf de Saint-Césaire. C'était la première année l'année passée que vous exploitiez le terrain de golf en tant que nouveau propriétaire. Petit bilan de la saison, comment ça s'est passé l'année passée pour une première saison? Ça s'est super bien passé, même c'était au-delà de nos espérances. Okay. On a bien vu que le club de golf Saint-Césaire y est bien situé. Okay. On a eu une année aussi qu'on avait très fort parce qu'on était en pleine construction du chalet. Ouais. On a ouvert le chalet le 24 juillet, en pleine saison. Et puis, à partir du 24 juillet, on a eu des tournois le 25, 26, 27. Ça a été une grosse année pour nous et pour le personnel. Puis là, ce qui est bien, c'est qu'on a pu roder tout ça, apporter des ajustements. Puis là, on est en force là, pour débuter les saisons avec un nouveau clubhouse tout en place.
Puis la réponse a été très bonne. Moi, je suis allé l'année passée avec André, notre caméraman, ici, l'équipe de la télévision du Richelieu. Le terrain était déjà fantastique. On était allé le 23 juillet parce que vous ouvriez le lendemain. On te voyait en train de travailler. Écoute, c'est intéressant de voir les propriétaires comme vous autres. Vous mettez la main à la pâte dans le club de golf. Ça se voit tout de suite quand on va chez vous. Oui, exactement. Parce que nous, on est quatre propriétaires, puis on est quatre propriétaires impliqués. Mm-hmm. C'est vraiment comme j'expliquais l'an passé. Moi, je suis en arrière du comptoir, mon partenaire dans les bureaux, sur le terrain. Vous pouvez me voir en arrière du comptoir, à la cuisine. En train de donner des leçons. Exactement. On est vraiment là, tu sais, le club de golf Saint-Césaire, c'est notre bébé. Ouais. C'est vraiment, on participe à toutes les tâches du golf. On est présent, puis justement, là, l'ouverture, on a fait beaucoup plus, pas mal de tâches. Parlons un petit peu du début de saison 2016. Est-ce que ça répond à vos attentes? Est-ce qu'on voit que les golfeurs ont faim cette année de golf? Oui, parce que nous, on a fait le salon du golf en mars dernier. Puis ce qui est intéressant, pas juste pour le club de golf Saint-Césaire, ce qu'on peut constater, c'est que là, le golf est en train de reprendre un peu là, du gain. Au salon du golf, il y a eu du monde comme jamais. Les kiosques étaient pleins. On dirait qu'il y a un peu là, un engouement là, pour le golf. On travaille là, vraiment cet hiver, l'industrie, on s'est tous rencontrés, les clubs de golf, pour vraiment travailler, puis on voit que ça commence là, à porter fruit. C'est pas gagné encore, mais il y a beaucoup d'amélioration là-dessus. Qu'est-ce qui fait, Pierre-Luc, que l'engouement du golf allait un petit peu en se détériorant lors des dernières années? Est-ce que c'est vraiment le facteur temps, le facteur que ça coûte cher? Qu'est-ce qui faisait, selon les études ou rencontres, qui a fait que le golf avait perdu un petit peu peut-être de ses lettres de noblesse? Si nous, ce qu'on croit, c'est que maintenant, les gens, surtout de notre génération, toi et moi, François, c'est qu'on veut tout faire. On veut jouer au golf, on veut faire du bateau, on veut faire de la course. On veut s'occuper de nos enfants, on veut se baigner dans la piscine. Et puis aussi, c'est que les golfeurs sont encore en grand nombre. La seule chose, c'est que ils font pas juste du golf. Moi, je donne comme exemple, moi j'ai été élevé dans le golf, mon père c'est un très bon golfeur. Moi, mon père, c'était simple. Il jouait au golf jeudi, vendredi, samedi. il jouait il était au club de golf. Ma mère était au club de golf. Donc, ces personnes-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé, ils ont goûté un petit peu. Puis là, maintenant, ils jouent encore au golf, mais moins souvent. Ouais. Puis ça a pris un certain temps à l'industrie avant de reconnaître ça. Avant, les clubs de golf, plusieurs clubs de golf étaient bien indépendants. Tu sais, non, nous, on est un club privé ou semi-privé. Les mentalités commencent à changer. Hein? Et puis, les gens arrivaient de l'extérieur puis ne sentaient pas bien au club de golf. Puis je dirais que les clubs de golf qui vont bien, ce sont ceux qui ont compris ça. Mm-hmm. C'est que quand tu vas dans un club de golf, il faut que tu te sens bien, que tu as bien beau avoir le plus beau parcours de golf qui existe, mais si tu n'es pas bien, tu ne passeras pas une belle journée. Puis là, maintenant, les clubs de golf ont commencé à là. Et là, le défi des années futures, c'est notre génération de les amener vraiment au golf. Et ça, c'est vraiment une tâche. Comment on fait ça? Exactement. Donc, il faut offrir des produits qui vont satisfaire leurs besoins. Mais surtout, c'est de nous, surtout au club de golf Saint-Césaire, c'est de former la famille. Il n'y a rien de plus beau qu'aller au golf. Toi, ta conjointe, tes deux enfants, c'est une journée, c'est formidable faire ça. Puis surtout au golf, tu peux avoir 12 ans, tu peux avoir 18 ans, tu peux avoir 35 ans, 40 ans. C'est que c'est un sport pour tout le monde. Et même le grand-père peut jouer à ça. Puis ça, il faut vraiment travailler ça pour que les gens deviennent « on va aller au golf, on va aller passer une belle journée ». Et c'est l'industrie qui est rendue là. Parce que c'est un 4h30 de qualité qu'on va passer en famille Exactement. Entre amis, ou... C'est exactement ça. Moi, je prends exemple ma famille. Mon père nous a tous formés à jouer au golf. On est quatre chez nous. Mais à la fête des pères, on passe une journée, les quatre, dans le même foursome. Puis là, on a déjà dit exactement. Puis il faut vraiment amener... C'est ça la beauté de ce sport-là. C'est qu'on peut jouer ça de 5 ans jusqu'à 80 ans sans problème. Puis c'est vraiment ça qu'il faut travailler là, pour l'industrie, pour vraiment former puis faire en sorte que la génération là, des 25-40 deviennent des golfeurs puis que viennent remplir nos clubs de golf.
C'est un beau défi. Puis, écoute, t'en parlais, juste avec la popularité du Salon du Golf cette année, ça montre que, d'après moi, la saison va être bonne cette année. C'est ça. Puis aussi, ce qui aide, c'est toujours le facteur température. Ouais. L'an passé, à pareille date, au Salon du Golf, c'était vraiment l'hiver. C'était froid, hein? Tandis que là, maintenant, cette année, avec l'hiver qui n'a pas été difficile, déjà, tu sais, le thinking golf était là. On en parle justement des conditions. Je m'en allais parler du terrain. Avec un hiver qui est un petit. Ça a été moins capricieux cette année, on s'entend. Oui. Est-ce que vous, vous le voyez sur le terrain pour la qualité du terrain? Ah oui, on le voit. Tu sais, le gazon, il est en santé, il est vert. Déjà, là, on se fait deux semaines qu'on est ouvert. Vous, est-ce qu'il y a des toiles sur les verres? Oui, on a des toiles, système, là, avec la poêle. Donc, les verres sont verts. Les verres, là, on a des conditions, là, vraiment verts. Même les fairways, tu sais, ça paraît. Juste exemple, aujourd'hui, on a allumé le système d'irrigation. Ouais. Il y avait deux fuites. L'an passé, là, je pense qu'ils ont passé deux semaines, mon équipe de terrain. Juste à régler ça. Quand ils ont ouvert le système d'irrigation aujourd'hui, ils ont fait. Oh, merci. C'est des bonnes nouvelles. Exactement. Fait que déjà, là, la qualité. Puis ça, quand tu pars bien comme ça, la saison est beaucoup plus facile. Pierre-Luc, pour les gens qui n'ont jamais joué au golf à Saint-Césaire, parle-moi un petit peu du parcours. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur vos 18 trous? Oui. Donc, ce qui est intéressant avec le club de golf Saint-Césaire, c'est que c'est un club que le terrain de golf a été vraiment bien dessiné par Graham Cook. Ouais. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a vraiment un défi de golf pour n'importe quel niveau de golfeur. Okay. On peut jouer des jalons en avant, des blancs, qu'on va avoir un terrain pas trop difficile, mais de quoi de bien, qu'on va jouer tous ses bâtons. Et on peut jouer dans l'arrière avec tout un défi de golf. Je mets les bons golfeurs là, qui veulent vraiment une traque de golf avec un bon défi, venez chez nous. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue tous ses bâtons. Okay. On joue les bois, les fers longs, les fers courts. Il y a beaucoup de terrains de golf qu'on fait un driver, un fer court, qui est un peu toujours la même chose. Puis, ce terrain qui est boisé. Donc, vraiment, le dessin du parcours, il est vraiment bien fait. Donc, c'est vraiment un des avantages. Les gens adorent jouer ce club de golf-là. Tu m'as parlé, justement, il y avait eu un feu dans l'ancien clubhouse. Vous avez complètement reconstruit. C'est de toute beauté. Je pense qu'on va voir des photos à l'écran. Oui, exactement. Parle-moi un petit peu. J'en ai entendu parler, je ne suis pas allé encore, je vais avoir la chance d'y aller. Ouais. Je pense que vous avez toute une table, un bon restaurant au club de golf. Oui, exactement. C'est qu'on a ouvert un restaurant, ça s'appelle le Bistrot Saint-François. Ouais. C'est un nom qu'on voulait choisir à part du golf. Moi, j'aime beaucoup le nom. Là. Exactement. Saint-François pour la rue. C'est qu'on a ouvert un restaurant pour que les gens peuvent aller souper, même si c'est au club. Tu sais, souvent, il y en a. Au club de golf, c'est réservé pour... On ne peut pas y aller. C'est exactement, mais... Vous, c'est ouvert au public. C'est ouvert au public. On a ouvert 12 mois par année. Wow, OK. Puis, on a vraiment fait une table, là, 4 fines cuisines. OK. C'est vraiment cuisine gastronomique. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est que lorsque vous allez venir chez nous, on veut vraiment offrir une journée... Une expérience. Une expérience. OK. Que ce soit par l'accueil, que ce soit par la qualité du parcours... Puis aussi, en finissant avec le bon repas, on veut sortir. Tu sais, souvent, les clubs de golf, c'est la fameuse brochette de poulet. Ouais, les hot dogs, les cheese. Exactement, la set de nachos. Ouais. Mais nous, on voulait vraiment faire de quoi de différent. Okay. De quoi de vraiment là, pour passer. Et aussi, ça va un peu dans la nouvelle industrie du golf. Ouais. Les gens recherchent ces packages-là. Puis, on a fait tout un restaurant, là, accueil chaleureuse. Tu me disais que vous avez des bons chefs également. Oui, exactement. On a été vraiment chercher deux, moi, je les appelle mes artistes. OK. Ouais, ben, c'est des artisans. Exactement. C'est deux jeunes qui sont à peu près dans la même braquette d'âge. Parce qu'on a voulu construire notre équipe pour grandir ensemble. Ouais. Et puis, eux autres, c'est des passionnés de cuisine. Ils sortent des assiettes, là. Donc, c'est vraiment, exactement. Ça fait vraiment un package complet. Puis, même quelqu'un qui veut arriver... Puis faire un événement, un événement corporatif, il va avoir vraiment de quoi d'intéressant. Est-ce que vous offrez, Pierre-Luc, des forfaits golf, repas, voiture? Oui, exactement. C'est ça. Oui, exactement. C'est beaucoup notre spécialité cette année. OK. C'est ce que vous mettez de l'avant. Oui, exactement. On a un beau groupe de membres. Ils participent au golf. Ils remplissent, ils jouent le golf le matin. Ouais. Puis on fait dans l'après-midi, on fait des départs croisés de 11h15 à 1h15. Et là, c'est vraiment des golf souper. Okay. C'est vraiment le golf souper, puis vraiment à prix vraiment intéressant.
Et puis, les gens n'ont qu'à réserver en ligne ou en téléphone? Réserve en ligne, toute téléphone, exactement. Allez visiter notre site web. On va toujours voir les images du restaurant. Lorsqu'on réserve un golf souper, est-ce qu'on doit choisir son menu? Est-ce qu'il y a un menu préétabli? Non, c'est vraiment un à la carte. OK. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. On a des pâtes, des fruits de mer, la côte de porc, le rib steak. Okay. Et puis, c'est vraiment comme on va manger au restaurant là, comme ça. Puis, on joue notre départ. Puis après ça, on choisit à la carte notre repas. Puis après ça, on déguste ça. Qui dit golfeur dit souvent amateur de vin. J'imagine que vous avez une carte des vins également. Oui, exactement. On a une nouvelle terrasse aussi. Hein? Oui, nouvelle terrasse. C'était un chalet qui est vraiment conçu pour golf. Okay. C'est pas nécessairement un endroit pour se marier. Okay. Ou, c'est vraiment fait pour petit restaurant de 60 places. Après ça, j'ai une terrasse 3 saisons, 120 places. Wow, Terrasse en avant de 45 places. C'est vraiment fait pour ça. Okay. Puis, on a une belle carte des vins à prix abordable. Ouais. Vraiment, nous, notre mentalité aussi, c'est qu'on veut vraiment offrir un produit haut de gamme à prix accessible. Okay. T'sais, c'est vraiment... les prix sont vraiment raisonnables. On peut avoir une très bonne bouteille de vin là, pour partir de 25 $ là, de quoi d'intéressant. Vous ne viendrez pas chez nous. Ça aussi, c'est un des défauts de plusieurs clubs de golf. Ouais. Tu arrives, les coûts sont… exorbitants. Exactement. Donc, ce que ça fait, c'est que le golfeur, tout simplement, va finir sa partie de golf. Il va aller au restaurant de la rue. Dans le fond, tes golfeurs, tu veux les garder chez vous. Exactement. En offrant des bons prix. C'est ça. C'est vraiment un paquet. Tu sais, comme par exemple, c'est le fun d'aller dans un tout-inclus dans le sud. Ouais. Mais c'est le fun aussi, on veut un peu reproduire la même chose. On n'a pas à bouger de chez vous. Non, exactement. Pierre-Luc, rapidement, parle-moi un petit peu. Tu es également propriétaire du centre de golf à Saint-Hubert. Oui, exactement. S'il y a des gens de ce coin-là qui nous écoutent, dans le fond, c'est un champ de pratique où les gens vous offrent des leçons également. C'est ça. Donc, nous, notre spécialité là-bas au centre de golf, c'est les mêmes 4 propriétaires qui ont le centre de golf Saint-Hubert. On a vraiment une académie de golf. C'est vraiment un endroit pour apprendre à jouer au golf. On a des cartes. Notre concept est un petit peu comme quelqu'un qui s'inscrit au gym. Okay. Comme par exemple, moi, je t'inscris à un gym pas loin ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que ma conjointe, elle veut faire du Zumba, mes enfants, je les amène à la piscine, tout ça. Oh, ouais. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un peu la même chose, mais dans le golf. Okay. Donc, la personne paie sa carte de membre et elle a accès à des cours à tous les jours. Wow. Exemple, son driver, ça ne fonctionne pas, mais la clinique de driver est lundi à 6h, il s'inscrit à ça, selon son niveau. Sans frais additionnels. Sans frais additionnels. Tout ce qu'il a à payer, c'est son panier. Ouais. Et puis, il y a toujours un suivi. Parce que le champ de pratique, c'est ce qu'il y a de mieux pour améliorer son golf. Ouais. Par contre, pratiquer seul, frapper des balles pour frapper des balles, c'est un peu moins bénéfique. Donc, si tu t'inscris, tu es toujours assuré d'être sous supervision. Exactement. Donc, tu vas t'inscrire selon les activités, selon là. Et puis, tu as toujours… Puis, ce qu'il a fait, c'est comme ça que tu peux t'améliorer dans ta partie. Tu sais, exemple, tes approches ne vont pas bien. Tu t'inscris à l'atelier d'approche. Tu pratiques, puis tu es toujours suivi. Là. C'est ça qui est vraiment… Exactement, c'est ça qui est intéressant. Tu me disais que vous avez la chance d'avoir Daniel Talbot, qui est enseignant chez vous, qui est un golfeur extrêmement connu ici au Québec. Oui, Daniel a fait beaucoup de compétitions. C'est une légende au golf québécois. Puis il travaille pour nous là, depuis 3 ans. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, les gens pensent « Ah, Daniel, c'est un super bon joueur. Tu sais, il va me… » C'est une personne qui est tellement près du golfeur. Qui va s'adapter à tout type. Exactement. J'imagine. Puis on a la même mentalité d'enseignant. C'est que, tu sais, quand on regarde le dimanche le golf à la télé, il n'y en a pas un qui swing pareil. Ouais. On n'essaie pas de changer le golfeur. On travaille avec lui pour travailler bien ça, corrige ça. Puis on a la même mentalité. Puis on a une bonne qualité d'enseignement là-bas. Puis, tu sais, que tu n'aies jamais touché un bâton de golf, ça va bien que tu sois un expert aussi, et on combine bien les deux. Au niveau des leçons de golf, si on revient à Saint-Césaire, j'imagine que les gens du coin qui veulent suivre des leçons… Oui, exactement. Donc, c'est moi qui les donne. C'est pour ça que moi, j'en donne un petit peu moins à Saint-Hubert. Je me concentre plus à Saint-Césaire, mais oui, on est en train de monter ça. Puis on est en train de monter aussi un club junior. Ça avait été un petit peu délaissé avec les années. Ouais. Puis justement aussi, lorsqu'on a fait le sommet du golf cet hiver, tous les clubs de golf, on s'est donné comme mission, il faudrait que chaque club de golf, d'ici 4 ans,
et 40 membres juniors. Puis c'est bien important parce qu'il faut qu'il y a un petit gap que, là, que, qui a été produit. Ouais. Puis il faut vraiment former les jeunes. Donc on est en train de repartir ça à Saint-Césaire. Je suis rendu à 18 qui se sont inscrits. Puis ça, les frais d'entraînement. C'est pas cher en plus pour les juniors. Non, hein? Exactement. On, puis on met ça vraiment à prix accessible. Ça coûte 60 $ 6 cliniques. Mais le but, là, c'est vraiment que l'enfant touche à ça. Puis peut-être que ça va devenir son sport. Putain, maintenant, l'offre est tellement grande qu'on arrive à faire des produits pour eux puis faire en sorte que ce soit des golfeurs plus tard. Là. Pierre-Luc, en terminant, on voit tout de suite en jasant avec toi, tu es un grand passionné de golf. Oui. Comment c'est venu cette passion-là d'un, pour le golf, de deux, d'acheter un terrain de golf? Ouais. Tu en gérais un auparavant, d'avoir un champ de pratique. Comment c'est venu tout ça? Bien, moi, dans le fond, j'ai toujours. Moi, j'ai été élevé dans le golf. Donc, j'ai commencé à jouer au golf. J'avais 5 ans et puis j'ai toujours grandi ça. Puis dès l'âge de 15, 16, 17 ans, je l'ai donné pour le golf. Okay. Je donne toujours cet exemple-là. Mon prof d'éducation, choix de carrière, en 5e secondaire, il dit bon, Pierre-Luc, on t'inscrit à quoi? Exactement. Il dit mais moi, je vais en pour le golf. Puis c'est sûr qu'au départ, c'est pas un domaine hyper facile. Pardon? Mais j'ai toujours été comme ça. Puis ça a commencé, j'ai toujours eu un petit peu la vague entrepreneur dans moi. Ouais. On a commencé, moi, ma conjointe, en louant un petit champ de pratique à Bedford qu'on a acheté. Après ça, bon, on a pris la valeur du terrain, on s'est associé, puis c'est comme ça qu'on a grandi. Fait que moi, j'ai toujours été là-dedans. Je ne veux pas faire. Tu veux pas faire d'autre chose? Non, c'est là, puis c'est venu toujours, puis petit, étape par étape. On a commencé, j'ai commencé assez jeune là, à travailler là-dedans. J'avais 17 ans. Puis, on est rendu aujourd'hui, il faut pas lâcher, continuer ça. Fait que... C'est un beau domaine. Oui, exactement. Bien, Pierre-Luc, écoute, merci d'être passé en studio. Bien, merci de m'avoir invité. On invite les gens à aller jouer à Saint-Césaire. Oui, donc venez me voir, vous allez me voir, vous allez voir au comptoir, ça va être moi qui est présent. Site Internet, si les gens veulent réserver leur départ, avoir plus d'informations. www.golfsaint-césaire.com. Et puis, ce que je vous conseille pour avoir un départ, réservez d'avance. Ouais, hein? Les lignes sont ouvertes 6 jours d'avance. La journée du lundi, on vend le samedi et dimanche. Oh wow, des fois, les gens nous arrivent, disent, on a de la misère à avoir des départs chez vous ou tout ça. Le truc, 6 jours d'avance, vous réservez. Puis les gens qui veulent se réserver un golf souper, on fait ça en ligne également. Oui, exactement, en ligne ou au téléphone. Et puis, si vous réservez d'avance, je ne vais pas avoir de problème de départ. Ce que je sais que j'ai des problèmes de départ, c'est quelqu'un qui va m'appeler 2 ou 3 jours d'avance. Là, je ne serai pas capable de l'avoir parce que j'ai déjà vendu avant. On touche du bois. C'est un beau problème, ça. C'est un heureux problème. Puis, on continue, c'est pas acquis. On continue à travailler fort. Exactement, mais si les gens réservent d'avance, ben, ils vont avoir des heures de départ intéressantes. Merci Pierre-Luc. Ben, merci à toi. Bonne saison. Bonne saison. Merci. Sport Express suit à l'instant. Restez là.
François, avant de parler de NASCAR, parle-nous un peu du tournoi de golf des Géants. Oui, ça se passe le 26 mai prochain, Alexandre, à un club que je connais bien, le club de golf Pine Grove. Voilà. Beau terrain pour le tournoi des Géants de la Fondation du Cégep. 347-5301, poste 2414 pour réserver votre place, Alex. Beau tournoi. Voilà. Début des matchs hors concours pour le baseball. Il y a eu un mélange baseball senior, baseball élite. Oui, les Pirates ont battu les Ducs de Longueuil 9-3, Alex. Ouais. Bon début de saison hors concours pour les Pirates. Prochain match dimanche, 14h, contre les Cards de la Salle. Et toi, dans le junior, ça va jusqu'à 21 ans. Là, ouais. Fait que tandis que dans le senior, ça peut aller jusqu'à 35-40. Toi, finalement, il y avait du NASCAR rapidement? Ben oui, Claude, notre recherchiste décevant un peu, il y avait du NASCAR en fin de semaine, comparativement à ce qu'on vous a dit la semaine dernière. Ouais. C'était le Toyota Owners 400 direct de l'Oval de Richmond International Raceway à Richmond, en Virginie. Hey, positionné en deuxième place. Moi, j'écoutais le golf, j'ai pas écouté la course en fin de semaine. Carl Edwards a littéralement tassé son coéquipier Kyle Busch à la sortie du virage numéro 3 pour prendre la tête de l'épreuve et signer ainsi son deuxième triomphe d'affilée. Busch, qui pensait qu'il lui restait un ami, a dû se contenter de la deuxième place. Ben oui. Jimmy Johnson, Casey Kane et Kevin Harvick complètent le top 5. Alors, le classement des pilotes après 9 courses. Edwards est premier, Kevin Harvick est deuxième, Jimmy Johnson est troisième, Kyle Busch est quatrième et Joey Logano est cinquième. Il n'y a pas vraiment de pilote bien connu dans sa famille cette semaine. Non, dernier, Brad Keselowski ne vient peut-être, mais là, tu sais, sauf qu'il commence à être connu. Ouais. C'est le Geico 500 en fin de semaine prochaine. Talladega Motor Speedway, mon cher. Merci, François. Oui, Alex. Semaine prochaine, on parle de basket. Bien out. C'est un sport que je connais un peu moins, mais que j'adore. Merci, François. Salut. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye-bye.